1000 œuvres littéraires d'ici au 22 avril 2018, c'est le défi que se lancent les écrivains de Guinée à travers l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. L'idée fait son chemin. Ici, au Centre culturel franco-guinéen, de nouveaux et surtout des écrivains confirmés rendent tous les jours la réalisation du pari plausible. Ce soir, Nadine Barry présente son 10e ouvrage. Fidèle à son registre d'écriture, la franco-guinéenne fait le bilan de gouvernance de la Première République dans sa dernière publication. La lecture, c'est un devoir. Moi, c'est un plaisir. Mais je crois que pour les Guinéens, c'est un devoir. Il faut qu'ils lisent beaucoup de choses qui se sont passées dans leur propre pays, pas seulement en Occident ou en Orient. Il faut que dans les classes, dans les écoles, on parle du régime de Sékou Touré. L'histoire de la Guinée, officiellement.